Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est avec Météo n'a démarré. C'est collaborateur non Wilner Polidor qui a présenté nous. Salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui pour prévision météorologique journée qui se trouve en Courtoisie UHM de concert avec OFNAC et puis Télévision nationale d'Haïti. Temps très instable. On a regardé comment la situation est pour aujourd'hui, pour demain avec vendredi. Nous avons de l'air vraiment humide qui commence à installer au niveau de partie nord du pays d'Haïti. Et situation ça a commencé par rapport avec un fond qui vient pour arriver sous pays d'Haïti. En ce sens, aujourd'hui, on a obtenu avec quelques activités là-bas et départements qui sont concernés. C'est département toute région nord, ça veut dire nord, nord-est, nord-ouest et puis centre Artibonite. À la rigueur, la grandeur a concerné par activité là-bas pour jeudi a, mais faut que nous pensions que demain a commencé gain activité la vie par rapport avec fond ça qu'a trouvé vraiment entre Haïti et Cuba. Et le fait que Haïti a trouvé à l'avant de fond fois ça a commencé gain quelques averses la vie sous pays a et en pile département a concerné par activité la vie ça pour demain. Mais vendredi situation a plus compliqué parce que fond a traversé pays d'Haïti et n'a commencé gain la vie non seulement jeudi dans la nuit, mais vendredi au cours de journée, a bien la pluie sous tout pays a et avec ça il y a très modéré et au capable venir forte sous pays a. Ça veut dire département nord, ça veut dire région nord a en bas gros la pluie et période la pluie ça a très long et gain inondation qui possible sous région nord et c'est pour ça que demande des populations pour capable faire attention parce que éboulement, glissement de terrain était possible sous région nord pour vendredi à cause de un peu la pluie qui a tombé. Pour capitale avec zone qui environne lieu pour aujourd'hui c'est un capitale qui nuageux et nuage ça va persister pour la pluie en soirée et au cours de nuit là. N'a bon température qui a monté jusqu'à 33 degrés Celsius pour aujourd'hui et puis va la descendre c'est 20 degrés. Nous avons une mer qui peut agiter sous plusieurs zones côtières mais pour région sud là la mer a agité. Et c'est pour ça demandé capitaine d'embarcation précaution avec prudence parce que au large le niveau côte sud pays d'Haïti la mer li agité et pour page astronomique hein, nous gen soleil la cap couché jeudi à 7h01 et la pleuvé d'un matin à 6h52. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention nous n'a croisé demain pour une autre page météorologique. J'ai noté annoncé l'antitio, sénateur Noah Naou Marcellus, al prend soin dans Jackson Memorial Hospital, dans le pays États-Unis, après malaise. L'été senti pendant séance mardi 20 mars là, dans le Sénat République là. Il y a un avion ambulance qui sortit États-Unis, Tevin chercher sénateur Naou Marcellus. D'après président Sénat République là, Joseph Lambert, avec président commission santé à Carl Murat Cantave, qui a une évolution tout petit qui fait sous état santé sénatéa. C'est après 5 jours, il y a obtenu l'autre résultat. Il y a un extrait d'un micro Richardson Jourdan avec Hervé Pierre. Hier, au cours d'une séance extrêmement importante, eh bien, le sénateur Naou Marcellus a gagné un malaise. Malaise a fait que l'Assemblée sénateur a été obligée de suspendre le travail pour être capable de transporter d'urgence à l'hôpital. Effectivement, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Bernard Meuse, accompagné du président du groupe majoritaire et du médecin sénateur Cantave. Et nous, en mesure pour nous dire, il y a de cela quelques secondes, mais quelques minutes, eh bien, gagné un avion ambulance que nous t'ai fait venir directement de Miami pour te permettre que d'aller prendre soin dans Jackson Memorial Hospital. Et nous estimons que, avec toute diligence qui t'est faite de bon côté nous-mêmes, tous sénateurs réunis, et tout ça qui t'est fait tout bon côté certains responsables dans l'État, plus particulièrement Docteur Agabus et ensemble de médecins qui étaient présents ensemble avec nous. On a salué tout la présence au passage du président de la République qui était rendu visite de courtoisie, du premier ministre qui était
très présent, campé bon côté nous dans moment ça. Eh bien, nous sommes capables de dire situation sénateur là et ta santé li a évolué positivement. Il y a une évolution qui est positive qui fait. Nous avons les 5 premiers jours fini couler pour que nous avons une idée arrêtée de comment l'évolution a bien. Donc, et ça, et justement, c'est l'information que le neurologue là, chirurgien neurologue là, bah non, qui dit qu'il faut attendre les 5 premiers jours, n'est-ce pas, pour que nous avons exactement comment l'évolution a fait dans le domaine de santé. C'est un constat. La santé est hospitalisée. La santé chez nous n'est pas en santé. La santé, justement, est alitée. La santé est malade. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du Sénat, nous, tout qui là, nous sommes conscients de ça, il y a une pile disposition qu'on prend pour que nous fassions des lois appropriées passées. C'est pour la loi sur la réforme du secteur santé qui est déjà déposée avec l'appui de tous les sénateurs présents, la loi sur la couverture universelle de santé que nous allons voter très bientôt dans le mois d'avril là, pour que nous puissions arriver à améliorer la situation. Les sénateurs sont conscients. Le président est aussi conscient de la question, si bien que le président a eu récemment à former la commission présidentielle pour la réforme du secteur santé qui a pied d'œuvre comme travail là, de sorte que une harmonie, une sorte d'articulation entre la présidence, le Sénat, le ministère de la Santé, pour que nos cas privés qu'on y a offrir des hôpitaux, des structures hospitalières qui cabalent les soins attendus, les soins appropriés, de sorte que, après atterrissage Vision Sahara, dans 20 ans, dans 30 ans, nous puissions avoir des présidents des pays étrangers qui viennent chercher des soins chez nous en Haïti. C'est un objectif qu'on se fixe au niveau du Sénat et on va travailler pour que justement, de concert avec la présidence, le ministère, nous puissions atteindre cet objectif dans les années à venir. Ancien président commission santé Chambasla, député Sinal Bertrand, pour tes explications sur ça qui t'a provoqué crise AVC sénateur Nao Marcellus, victime mardi 20 mars là. Député circonscription pour saluer a mandé ministère santé publique à population fait une campagne sensibilisation sous maladie tension. En suivant extrait dans micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbrich. ACV ou bien AVC ou bien AV, il y a toujours anglais, espagnol ou bien français, c'est accident cérébrovasculaire. Nous avons le vasculaire encéphalique, tout le monde a AV en espagnol. Normalement, c'est pression et nous avons dit tension, pression et qui peut monter sang, etc., qui vient trop, et puis il éclate les vaisseaux, et dans le cas hémorragique, là, parce que le cas ischémique tout. Dans le cas hémorragique, là, par exemple, nous avons parlé de situation sénateur Naoum, et par là, son hémorragique, ou semble dire, pression vient augmenter, et puis vaisseau, et j'en ai dit dans bon créole, il vient éclater. Quand il y a sang, il tombe en côté, le pas de tomber. Laisse à côté pour s'intéresser, voir qui l'a pour recevoir sang, il vient un petit genre vide, et mec qui vient poser. Dans le cas par sénateur Naoum, nous avons dit pour nous un petit genre réservé, parce que par là, c'est hémorragique, son ACV ou bien AVC ou bien AV et nous avons dit qu'il est hémorragique, il est ischémique, ça veut dire pour nous aussi qu'il y a un petit réservé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'hôpital Benameuse, nous félicitons l'hôpital Benameuse pour les gens de attention nous et sénateurs abjoints. Ça veut dire que nous avons des gens qui comprennent que le problème non et faut que nous résoudre dans le pays au lieu que nous voyager avec nous. Président Jovenel Moïse dit qu'il y apprend avec douleur, malaise, sénateur Nao Marcellus, victime pendant séance mardi 20 mars là, ensemble avec Premier ministre là et puis Premier Dame Lan, chef l'État, Terran Lee, dans l'hôpital Bernard Meuse pour porter soutien moral li by sénateur. Le président Jovenel Moïse souhaitait parlementaire un bon rétablissement. Dossier sécurité, plusieurs arrestations pour cause assassinat Axac banditis, 397 munitions calibre 12 ak yon quantité stupéfiant ak lot matériel la police saisi. Ces bilans, direction générale police nationale l'a dressé sauti 7 pour arriver 21 mars. Porte-parole PNH là, France Lerbourg, fait qu'on est dans site PNH là, fait 8 arrestations dans le cadre de individus décapités avec 6 autres arrestations dans un gang qui relaie Al-Qaïda. Un extrait dans le micro d'Aline Dorival avec Hervé Pierre. Dans le nord-ouest, Chansol, il y a 3 individus que la police zone a arrêté. Côté que Nexaro a essayé de faire entrer des armes. Yo jwenn yo avec en pile munition là dans un grand américain. La police saisit 2 véhicules
Il saisit tout environ 397 munitions, comme dit non, deux fusils 12, deux pistolets et une quantité de substances qui t'assemblent avec marijuana, qui confisquées par la police. Monsieur Sayo est déféré devant le juge déjà. Le 14 à Chansolm toujours. Et la police a arrêté un certain Wilfried Elisnor parce que monsieur était complice dans la mort par décapitation à l'arme blanche, à la machette qui fait sous Franck de Franc. Mais vraisemblablement, son famille, monsieur qui est le titre de Franck qui fait Zakla, et la police a cherché monsieur activement. À mon oui, c'est un gros démantèlement de gang, côté que la police a arrêté environ 6 individus. Qui était non gang qui est Al-Qaïda dans Bassemor et Negio yo déféré déjà sous base association de malfaiteurs. Dans le sud lui-même, il y a une gros tragédie qui t'est passé, nous t'étant de parler de lui, mais la police a arrêté 8 moun la donne, c'est côté que yo joine cadavre alors des corps enterrés décapités la caillon ougan qui est Fanel dans localité à Torbec dans localité Corrière. Monsieur les Titi et monsieur yo t'al la ka monsieur pour être capable de rejoindre une motocyclette yo pour te voler et rejoindre tout de cadavre enterré et dans la cour la ka monsieur. Porte-parole PNH la France Lerbourg annoncé 20 policiers à suivre en séance formation sous gestion scène crime qui déjà commencé cap fini 23 mars cap vini là. France Lerbourg fait quoi formation ça bral permettre police la gain plus maîtrise à capacité pour gérer scène crime yo sous tout territoire national là. Extrait d'un micro d'Alindo Rival ak Hervé Pierre. 20 policiers dans la Tibonite qui subissent une formation en gestion de scène de crime. Ça, très important pour la simple et bonne raison que même comportement citoyen par rapport à une scène de crime sont bas qui toujours bas la police en pile problème. Parce que depuis une, deux, trois mois passés, son scène, ils souillent. Donc, plus la police, policier a lui-même, il compte qui comportement pour le gain par rapport à une scène de crime, dans la délimitation, espace, etc., défini couloir de pénétration, et plus unité territoriale, nous, maîtriser le domaine ça et plus ça peut gérer scène de crime. Donc c'est une formation qui est très importante et qui a continué au niveau territorial dans toute région pays. La preuve c'est qu'on est capable d'étendre compétence ça à tout département pour au moins dans chaque département ou bon équipe de police technique et scientifique qui est capable d'intervenir avec professionnels. Cependant, le policier administratif ça le gagne pour le faire. Il y a un policier conscrit scène de crime dans sécuriser pour permettre que l'expertise à venir pour prélever indices. On prend direction Palmaïtien, commission Kilti et communication chambre députée a organisé une séance travail avec ministre Kilti à Limon Toussaint et puis directeur général là Jean-Michel Lapin sous plusieurs activités Kilti rel ministre Kilti a été organisé. Il y a divers points qui étaient abordés dans la rencontre ça, parmi eux présentation rapport carnaval 2017-2018 là, rapport sur organisation festivité rara année passée, ak rapport dépenses commémoration 17 octobre 2017 passé à président commission Kilti à communication Chambasla, député Rome Sperilus fait plusieurs recommandations by ministre Kilti à sur ensemble rapport ça yo. Yon extrait dans micro Sainte-Croix Paki ak Moïse Wilbridge. C'est important pour nous inviter et ministre sur une série de grandes activités qu'il organise pendant qu'il est en tête ministre, à savoir et carnaval qu'il a déjà organisé, à savoir et fête rara qu'il organise et les grandes fêtes également et 17 octobre et 1er et 2 novembre, eh bien nous avons besoin qu'on ait. Eh bien, et montant que le ministre a été disponible dans chaque occasion, ça y est, et comment il a été utilisé, est-ce qu'il a été bien utilisé. Donc, nous demandons au ministre pour te porter pour nous un rapport détaillé de toute activité, ça y est, ce que le ministre a fait, mais malheureusement, et nous trouvons au niveau de la commission qui rapport là, c'est un rapport qui n'est pas bien élaboré, rapport c'est un rapport qui n'est pas gagné détail qui est cherché, rapport là c'est un rapport qui n'est pas gagné et les pièces et justificatives et pour que nous-mêmes nous sommes capables de faire une étude approfondie sur ce rapport. C'est pour nous un bout de papier qui identifie deux ou trois organisations qui ont reçu des subventions en chaque occasion
que le ministre lui-même était fait une fête dans chaque occasion que le ministre était recevoir une enveloppe. Pas oublier que le ministère culture et le 17 octobre, si je ne me trompe pas, il recevait une enveloppe de 20 millions de gourdes. Il y a une autre occasion également qu'il était recevoir une enveloppe de 40 millions de gourdes. Nous pensons que nous avons manqué à deux voix, non? En tant que député, si nous n'avons pas invité le ministre pour nous questionner sur la gestion qu'il fait de montant ça. Ministre Kiltia Communication, Limon Toussaint, salut travail commission Kilti Chambre députée. Pendant l'y annoncer, ministère a déjà mobilisé 15 millions de gouttes pour développement festivité Rara Anessa dans diverses communes dans le pays. De l'autre côté, ministre Kiltia, Limon Toussaint promet libéral travail pour finaliser rapport dépenses diverses activités qu'il tirait le ministère a organisé. Limon Toussaint, t'es dans micro Sainte-Croix-Paki avec Moïse Wilwich. T'es fini avec rapport, nous montrer que les organisations que nous fournissons des subventions et nous baillons. Maintenant, la commission a demandé nous pour nous bailler pièces justificative qui va mentionner dans lettre que nous te recevons. Donc nous prenons décision nous pour nous transmettre une pièce justificative qui montre que côté organisation ça a été produit une demande et que demande là et le ministère a te répondre avec demande et ainsi que pour nous bailler acquis des droits que nous avons livrés qui permettent de recevoir chèque dans finance et c'est tout ça que nous recommandons que nous mêmes nous gagnons pour nous bailler dans la rencontre que nous avons gagné jeudi là. Pour question de Rara, nous avons au sein du ministère un montant de 15 millions de gouttes qui est disponible dans le budget nous et que nous écrit le ministère des Finances pour les mettre à jour sur les bons. Toutefois, les répondre, nous avons fait ça, nous devons faire, j'en nous devons faire. L'autre point dans le journal, l'Office Management Ressources Humaines annoncé organisation jeudi 22 et vendredi 23, un forum international dans Port-au-Prince. Coordonnateur général OMRH là, Josué Pierre, lui, expliquait c'est bral occasion pour dresser bilan avancement qui fait dans la réforme l'État et puis mettez campé plan pour un changement au plus fort. Josué Pierre, lui, reconnaît gain en pile GFO qui fait dans affaires réforme l'État pendant la pour encourager chaque fonctionnaire respecter principe qui trace yo aider administration publique là à vigner un service qui piperait chaque citoyen. Un extrait dans micro Hansi Mars avec Moïse Wilbridge. Les attentes des citoyens ne sont pas satisfaites. Donc citoyens ont besoin d'un service public de meilleure qualité. Citoyens ont besoin d'un service des services publics plus rapides, services publics de proximité. Donc citoyens ont besoin que les besoins passeport jeune rapidement. C'est ça fait propre que le président de la République a institué, installé ensemble du centre de livraison un peu partout à travers le pays. Mais on va comprendre qu'on réforme administrative, la réforme de l'État, c'est pas comme si ce n'est pas visible. Donc, d'accord, ce n'est pas un cas qu'on construit pour nous arriver, mon là, donc ça prend du temps pour jouer un impact là. Mais un impact là important, là vous avez raison, parce que c'est un impact là qui pourra. Qui va permettre que l'action soit légitime et donc dans ça qu'a fait là. Donc au niveau de décentralisation, il y a un peu de progrès qui fait et nous parlerons mes réflexions tout que par exemple le président de la Fédération des maires des AZEC des CAZEC nous parlerons pour intervenir dans le forum dans tout puis parler de état d'avancement monsieur Edouard Pierre avec d'autres acteurs. Donc nous avons monsieur Amari et Joseph Noël qui parler tout de questions. Donc, c'est pour dire que il y a plusieurs bails qui fait, nous organisons plusieurs concours et des concours au niveau national et au niveau sectoriel. Actuellement, nous avons près de 5873 jeunes qui participaient dans des concours que nous organisons. Et nous continuons à faire concours là et dans toutes les structures de l'État. Donc, ça veut dire que nous avons actuellement, pour Anissa, 350 jeunes qui entrent dans l'État par voie de concours.
Parce que pas oublier que l'organe engagement avec nos partenaires techniques et financiers pour continuer à agir à voir. Donc, vous conseillez des engagements pour te prendre, faut qu'on respecte. Donc, maintenant, les indicateurs au niveau, en ce qui concerne la réforme de l'État, c'est tout le monde qui applaudit, qui salue. Et c'est raison ça qui fait que on peut que gagner une remobilisation sous le leadership du président de la République et sous le, et du premier ministre, côté que tous les acteurs sont unanimes à reconnaître que la réforme est dans le bon sens et que nous pourrons garder pour nous comment que maintenant nous pourrons monter un troisième programme cadre effectivement sur l'opérationnel, sur la mise en œuvre pour qu'il y ait d'action à impact plus direct, plus réel au niveau de la, au niveau de la population. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause publicitaire. Arrêtez branché, n'a pas retourné dans un petit moment. L'émission. Nous retournons après pause là, chirurgie, laparoscopie, c'est un type intervention simplifiée qui permet aux patients reprendre travail rapidement après une opération et puis éviter gros cicatrices dans commune capsibi intervention chirurgicale là, comité de direction l'hôpital la bienfaisance non opinion accueilli une équipe télévision nationale d'Haïti pour présenter série formation sous chirurgie laparoscopie, il y a fait pour plusieurs médecins généralistes et spécialistes dans l'hôpital. En suivre, reportage Falland Delphin et André Chéry. L'hôpital ça qui desservit population Pion Rang qui t'a la victoire offre service dans domaine pédiatrie, médecine interne, obstétrique et gynécologie, orthopédie, laboratoire et radiologie et fonctionne sous base publique privée. L'hôpital ça qui gagne stage oratoire pour médecins et infirmiers dans diverses universités privées dans le pays a organisé formation sous chirurgie laparoscopie pour médecins généralistes et spécialistes. Grâce à plusieurs formateurs qui sont dans pays étranger, ils ont façon pour montrer aux médecins utiliser appareil pour faire chirurgie, ça cap éviter plus moun rete sous cabane de l'hôpital après une intervention, d'après docteur Guy Dev Théodore, fondateur directeur général de l'hôpital là. Longtemps les autres qu'on a fait chirurgie, puis ont retiré une vésicule biliaire, ça ouais les gallbladder. Eh ben ils étaient qu'on nouveau qu'on est à la c'est chirurgie laparoscopique minimale et invasive surgery que nous faisons pour ou dès qu'on fait appendicectomie, c'est une opération qui peut être nouveau pour nous, c'est qu'on est là, nous faisons pour avec chirurgie laparoscopique. Il y a un formateur, le docteur Paul Severson, qui est professeur dans l'Université Minnesota, dit qu'il est important pour investir dans la formation avancée personnelle santé. Une façon pour permettre plus de monde dans la population à jouer un bon service. Si le devine à côté de médecin étranger américain, venir opérer et puis retourner à la caillou. Mais le devine rencontrer le docteur Théodore, qu'il était plus important que c'est seulement venir opérer et retourner, mais investir dans éduquer professionnel haïtien ou faire technique, ça aurait été plus bon. Rencontrer l'autre médecin, partager expérience et puis aider l'autre monde dans le domaine de la santé à connaître qui sa chirurgie laparoscopie a et appliquer dans l'autre hôpital dans le pays. C'est soit vous n'avez participé à une formation, ça, docteur Lenix Santiago. Je vous présente une équipe de chirurgiens qui est habitués à venir opérer ici. Je te fais une formation à plat, je suis très intéressé à renouveler la formation. Tant que docteur Guy te dit, nous, son chirurgie assez spéciale qui est différent de type de techniques nous qu'on utilisait anciennement. Au lieu d'ouvrir malade là grandement par une incision très longue, qu'on a de très petites incisions que faire de maximum 1 cm, vous faites toute chirurgie ou bien pour faire à l'aide de caméra à l'intérieur de l'abdomen maintenant ou bien thorax maintenant. L'hôpital Bienfaisance Pion commençait à utiliser chirurgie laparoscopie depuis dans l'année 1994. 24 années après, environ 238 médecins formés pour utiliser type chirurgie ça. Plus passé 1 million de monde dans la population a déjà subi opération grâce à la chirurgie laparoscopie. Et puis quelques hôpitaux dans le pays, tant que l'hôpital La Paix, l'hôpital général au CAI, l'hôpital général au CAP, utilisent toutes méthodes de laparoscopie pour faire chirurgie. L'autre dossier dans le journal là, Agence américaine pour développement international USAID, dans tête collée à la Fondation panaméricaine pour développement.
Et puis, citoyens, non, pèlerins de cap vive dans pays étranger, construit un réservoir de l'eau traité dans le local l'école Adrien Massa, citaine de l'eau ça, pour qu'elle permette Timounio boire de l'eau sans yon pape yon goud. Et puis, moun communauté a acheté de l'eau pour yon servir, d'après représentant habitant pèlerins de Ronald Silencieux, directeur mission USAIDA, Géné Thomas, fait qu'on ait réalisation projet ça, fait partie en ensemble projet. Il y a bien pour réaliser dans le domaine de l'eau potable, assainissement, éducation et environnement. L'ICRE projet Sabral permet à moun qui vivent dans la zone lente de servir avec l'eau propre, une façon pour éviter maladie. Un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Pour aider à l'accès de l'eau pour la communauté et pour, surtout pour les étudiants ici. C'est une composante de notre stratégie mondiale de l'eau et assainissement que nous implémentons ici en Haïti comme pays priorité de notre programme. Nous travaillons dans beaucoup de secteurs ici en Haïti, d'éducation, de santé. Nous sommes très grands dans la santé, par exemple, éducation, croissance économique, agriculture. Environnement, etc. En ce moment, ça c'est le plus nouveau projet, c'est de l'eau et assainissement. Et c'est pour le jour mondial de l'eau, pourquoi nous avons fait cette annonce de cette kiosque, pour attirer plus d'attention à le besoin de faire plus accès de l'eau ici en Haïti et pour les modèles viable ou pour le modèle soutenable, parce que c'est nécessaire d'avoir une source de financement pour continuer avec le service et pour avoir accès gratuit ici à l'école. C'est les clients qui payent de l'eau ici et les étudiants ne paient pas. À côté les vieux, donc on connaît que nous gagnons plus que 700 élèves que nous avons desservi, donc et c'est surtout les week-ends, donc n'a pas pu faire l'évaluation de tout ça. Le président commission enseignement supérieur à Créchet scientifique chambre des PTA Abel des Collines Zili préoccupé face à crise qui a bouleversé l'université l'état d'Haïti depuis plusieurs années. Député Abel des Collines fait qu'on est commission a proposé comme médiateur et puis il a rencontré rectorat UH là pour joindre une solution dans la crise qu'a traversé l'Université de l'État. Et en l'autre bord, député Abel Descollines s'allie publication liste faculté médecine l'État paraît connaître dans le pays. Un extrait dans le micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. Commission enseignement et supérieur et recherche scientifique au niveau du Parlement haïtien, conjointement avec le président Gary Baudeau, qui fait office de président de la Chambre des députés, nous préoccupés par rapport à la crise qui existait au sein des universités haïtiennes, mais plus particulièrement au sein des universités d'État. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis plusieurs mois, gagner des facultés, entre autres la faculté d'ethnologie, la faculté sciences humaines, pour ne citer ça seulement, qui fait objet de crises, de problèmes qui existaient parfois entre étudiants, d'un côté, problèmes qui existaient avec le rectorat de l'université, par rapport à crise qui perdurait. La commission enseignement supérieur et recherche scientifique, conjointement avec le président de la Chambre des députés, nous proposer comme médiateur pour aider le cas échéant à trouver une solution définitive. Association AZEC à l'Ouest AAO, c'est non, yon nouvelle association AZEC qui soutient dans plusieurs sections communales dans le département l'Ouest qui lançait officiellement mardi 20 mars là dans Port-au-Prince.
Même association, ça a expliqué, mission principale, yo, c'est faire promotion décentralisation avec développement local pendant y a posé action main en main avec l'autre membre association communale AZEC. Lancement association AZEC l'Ouest fait en présence ministre intérieur à collectivité territoriale, là, Max Rodolphe Saint-Albin, avec professeur Auguste Demeza. Reportage Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Lancement officiel association AZEC l'Ouest là, c'est occasion pour élu local ça yo partager une avec l'autre problème y a fait face dans section communale yo. Manque accompagnement bon côté autorité dans l'état, discrimination aux victimes, projet yo gain yo ta remé réalisé, c'est parmi diverses raisons qui empêcher yo jouer rôle comme ça doit d'après déclaration plusieurs AZEC. Jodi nous vinn là pour nous vinn porter revendication à sec pour nous vinn dire ça y a subi la caillou dans société yo dans communauté yo pour nous venir dire que moun sa yo que au traité en parent pauvre moun sa yo y a fait grande discrimination entre nèg en dehors avec nèg la ville moun sa yo chaque les gain élection yo passé sous kon nous pour arriver en l'air. Professeur Demeza Auguste qui t'a participé dans cérémonie lancement te profite mette accent sur importance yon AZEC dans développement yon section communale. Professeur Akwe, chaque AZEC gen pour mission mobiliser membres dans communauté li sous problème y a fait face pendant y a proposé quelques solutions nan yon titan tout kout. Fò nous même en tant qu'AZEC en association avec AZEC avec Mérion pour nous garder mes côtés ka ba problème yo. Parce que si nous on fonction contrôle en tant qu'AZEC une fonction fondamentale nous y nous bon fonction d'agent de développement local. Nous gagnons pour nous identifier les problèmes et pour nous définir ensemble les investissements qu'on fait. Nous avons un rôle fondamental d'agent de développement. Là, grand problème dans le pays, il y a un choléra. Le premier monde qui a signalé l'existence de choléra, c'est nous. Pas même qu'à ce non. Parce que si l'habitation en dehors de bouc, de centre administratif qu'à ce c'est nous qui avons gagné. Quand il y a un gros baillot de l'autifterie, un gros baillot de déboisement, il faut bon moyen. Décision pour mettre campé association AZEC l'Ouest là a permettre AZEC yo renforcer tête yo pendant y a petite section communale yo d'après ministre intérieur à collectivité territoriale là Max Rodolphe Saint-Albin. Dans l'idée pour gouvernement porter soutien li ak AZEC yo, ministre Saint-Albin promet dans moins d'une semaine li pral distribuer motocyclette ba chaque AZEC. Ce genre d'exercice démocratique est toujours le signe de changement réel pour la communauté. Jean ça dit dans le proverbe créole là. Mais en pile, chaye balou. Là, nous décidons de formaliser et légaliser l'organisation. Là, nous décidons de mettre divergence politique à côté parce que nous voulons atteindre le même objectif. Nous porter l'espoir dans la population. Le président de la République, son excellence, Monsieur Jovenel Moïse, ainsi que le chef du gouvernement, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, ne cesse de le répéter. Il faut l'implication réelle des autorités locales, à la fois dans les structures de décision et dans les espaces d'exécution. Nous, c'est voix, peuple. Ça veut dire, nous ne devons pas être nous moyens. Pour le gouvernement central, attendez-nous, l'heure nous parler. Association AZEC l'Ouest là vient faire 10e association dans la Fédération nationale AZEC d'Haïti qui gagne la donne association AZEC 10 départements géographiques pays. Normalement, association AZEC l'Ouest là t'a doué gagne la donne 685 membres qui c'est quantité AZEC dans département l'Ouest là. L'auto maman lancé officiellement mardi 20 mars là une initiative qui prend dans intérêt population hein, et spécialement pour maman yo dans occasion fête maman dans cadre tirer ça responsable LEH là Margaret Fortuné encourager tout le monde jouer pour yo ka gagner parce qu'il jouait là pas un hasard. Contre Andy Midra Emilias ak Henri Robert Chéris. Selon directeur général LEH là Margaret Fortuné, l'automamie, c'est un moyen qui permet l'autorité Haïti sur le plan économique et social. Jouer pour 25 gouttes ou après gagner 1 million gouttes. Puis loin, responsable de l'autorité a dit, en tant que maman, femme d'État, situation maman n'a pas été indifférente.
dans le cadre de tirage automamien, a gagné plusieurs primes, tant que 1 million goud, 200 000 goud, avec plusieurs primes consolation. Automami a vraiment spécial pour maman. Yo. Nous demandons tout le monde pour prendre chance. Yo. Parce que c'est pour hasard, c'est jouer pour jouer. Garçon, yo ka joué pour maman, yo, pour ménage, yo, pour soeur. Yo. L'auto, nous t'en comment le c'est l'automami, il concerne toute femme dans le pays. C'est toute femme qui peut jouer pour nous participer à renforcer une institution qui est l'institution de l'État. Chaque monde qui vient, il y a un pourcentage sur le bloc fichier. À travers 10 départements, nous toujours vendre sur WhatsApp, sur téléphone 48 75 36 76. Nous continuons à vendre sur WhatsApp pour les gens qui n'ont pas qu'à déplacer. Ils ont envoyé le cob par mon cash. Et puis, il y a voyé numéro fiche pour yo, il y a voyé téléphone yo, nom, prénom, zone côté yo. Et nous t'es touché en pile monde dans expérience ça. Représentant coordination SIDLA, encourager jeunes yo participer dans l'automami. Yon façon pour yo ka suspendre quitter pays ya. Pendant l'encourager yo joindre yon emploi direct sous terrain. Dernier rempart économique, dernier rempart financier paysan, les stades donnent sur l'autre. Si nous ne voulons pas comprendre ça, nous allons sur WhatsApp, sur Google Play, nous maintenant à regarder, suivre pour nous voir qui ça l'autrier dans l'autre côté. Faire l'autrier l'État haïtien et dynamique dans la société, ya? C'est le vice-directrice générale LEH. Là. Nous allons observer une autre pause, pas débranché, nous allons retourner. Nous allons voir l'actualité à Piloin, Lakay, Washington, Mété, en garde Ankara après opération qui était lancée dans Afrin, ville syrienne. Le Pentagone déclaré opération ça qu'a détourné attention sous combat contre État islamique. Là. Ankara, Bhopal déclaré si Washington, c'est Patnel, c'est pour le camper Bokotil. En suivre. Deux jours après force turque ensemble avec force syrienne, au prend Afrin. Situation vient compliquée entre dirigeants occidentaux et États-Unis, côté Washington mettait en garde Ankara. D'après l'autorité américaine, l'opération force turque a lancé à détourner attention sous combat contre l'État islamique. Là. Toujours d'après le Pentagone, le groupe djihadiste a profité de faire base encore dans quelques zones. Depuis la capitale turque, Ankara, président Recep Tayyip Erdogan, te prend la parole devant le Parlement. Turquie. Yon bo ou di ou se partenaire stratégique nous. Et puis en après ou a collaboré avec terroristes yo. La vérité a éclaté au grand jour. Si nous sommes partenaire stratégique, ou doit respecter et puis camper bon côté. Mardi 20 mars là, autorité turque a déployé police militaire dans la rue Afrin, yon zone qui pa gen moun ap viv pou kounye a. Habitants zone nan prend refuge dans divers territoires voisins. Comité international Croix Rouge là, CICR à Croissant Rouge syrien distribuer aide dans ville Tal Rifaa. D'après diverses sources, presque 250 000 civils courent pour combat yo. Dossier qui fait quoi régime Muammar Kadhafi a été financé campagne présidentielle Nicolas Sarkozy l'année 2017 a para poursuivre mercredi 21 mars là. Nicolas Sarkozy retournait jeudi à l'office anticorruption Nanterre pour y attendre dans a fait ça. Il y a une possibilité pour y présenter dossier à bail juge pour une nouvelle convocation. En suivre. Jeudi mercredi 21 mars, la fait ancien président français à Nicolas Sarkozy deux jours dans Gadavi. Nicolas Sarkozy matin qui retournait dans le local office anticorruption Nanterre là pour y attendre sous accusation qui fait quoi Libye a financé campagne présidentielle dans l'année 2007. J'ai déjà auditionné Nicolas Sarkozy pendant toute journée mardi 20 mars là. Gadavi ça a été retiré pour plus de deux jours avant de libérer ou soit examiné. Mais il est possible tout pour présenter dossier à bail juge pour une nouvelle convocation. Juge a mené enquête depuis 5 années sous dossier. A mardi 20 mars là, ancien ministre intérieur Sarkozy, Brice Hortefeux, te comparaît en tant qu'auditeur libre puisqu'il est toujours un député européen. Ça t'a évité enquêter et faire une demande pour lever immunité. Brice Hortefeux déclaré précision yo pral pote yo doit permettre yo fini accession erre ak mentia. Est-ce que Nicolas Sarkozy ak poche li yo recevoir l'argent régime dictatorial Muammar Kadhafi? Ces questions sa yon enquête qui l'ouvri ap cherche déterminer.
Mais différents points ont été développés pour vous. Sénateur Noah Nao Marcellus Sibi, un accident vasculaire cérébral AVC. Dans un moment, séance plénière, m'a dit 20 mars là. Pour Kounia, parlementaire, prend direction États-Unis. Côté là, elle prend soin dans Jackson Memorial Hospital. Présentation rapport Carnaval 2017-2018, rapport sur organisation festivité Rara année passée, avec rapport dépenses commémoration 17 octobre 2017 passé à Ténami temps discussion yo, jeudi à entre commission Kilti, à communication chambre député avec ministre Kilti à Limon Toussaint et puis directeur général ministère Jean-Michel Lapin. Jeudi 22 à vendredi 23, Office Management Ressources Humaines a organisé un forum international dans Port-au-Prince. C'est pour l'occasion pour dresser bilan avancement qui fait dans la réforme l'État. Et puis, mettez campé plan pour rendre changement yo plus fort d'après coordonnateur général OMRH là, Dr. Josué Pierre-Louis. Porte-parole PNH La France, Lerbourg, dressé bilan diverses opérations la police menait sous T7 pour arriver 21 mars. Association AZEC l'Ouest AAO, c'est non nouvelle association AZEC qui sautit dans plusieurs sections communales dans le département l'Ouest. Lancement association sa fête mardi 20 mars là, en présence ministre intérêt à collectivité territoriale là. Max Rodolphe Saint-Albin. C'est là que nous mettons en bout dans le journal là. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition. Nous souhaitons tout le monde bonne nuit sur Télévision Nationale d'Haïti.